Salut les PD. Salut Tiz. Échec Lise. C'est la foot du box d'Halloween. Donc comme d'habitude la Fujibox, c'est des produits japonais qui nous viennent du Japon. Shifumi. 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 Non ça marche pas. Shifumi. C'est un papier, je le coupe. Non. Non, t'as mal non. fait. Non. C'est deux, hein. Shifumi. Ah, c'est bon, t'as gagné. Triche pas! Oh, ça a l'air super bon. Manger. Ça va, ça sent bon. T'as vu? Il y a déjà viande, un. Viande. Ouais, un ingrédient principal, c'est ça. Après, il y en a un autre en photo, mais je reconnais pas du tout ce que ça peut être. Qu'est-ce que c'est ça? De l'ail. Eh oui, c'est un goût d'ail à mort. Ah oui. J'aurais dit des couilles braisées, moi. C'est super bon. Ouais, c'est bon. Oh, ça, c'est Halloween. Oh, c'est trop bien. Cool. C'est trop bien. Ouais. On a ça en France, mais pas comme ça. Ah, ça me rappelle quelque chose, l'odeur. Tiens, mets dans ta bouche. Ah! On dirait un médicament, ça me rappelle un médicament. C'est pas bon? Non! Ah, le Smecta. Ouais, c'est ça, putain! Le Smecta, alors. Putain, ce Smecta. C'est des Cheetos. Des Cheetos comme on a chez nous là. Mais en forme d'os, ils sont tout blancs, regarde. Mais les Cheetos, c'est censé être salé. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est bizarre. Je peux me le mettre? Non, t'es tout petit. Ah, c'est vrai. Oui. Ah. Oh non, ça va être trop bien. Oh. Ah? Des Smarties. Ah, c'est des pâtes. What? Tu vois, tu mets de l'eau, les pâtes elles gonflent. Mais c'est Pokémon, c'est tout un truc mais Pokémon. Il y a les nouveaux Pokémon, il y a Pikachu. C'est des ramen en fait. C'est ouais, c'est ça, ouais. Alors, est-ce que je dirais que ce sont des popcorn? Non. Ce sont des gâteaux apéro. Bah ouais. Ah ouais. Comme un peu 80% de ce qu'il y a dans la Fujibox à chaque fois. Ça risque d'arracher un peu. Ouais. Torse. Ça. Ouais. Par contre, j'ai pas vraiment d'indication au niveau du goût. Ce sont un peu le paprika. Ouais, ça. Voilà. Pour tabac. Ah, c'est les anneaux de... C'est les anneaux à la pomme de terre. Il y a un goût à deviner ou... Non. Oh, là, oh. Oh. What the fuck, les amis. C'est super joli, le packaging, c'est un truc de ouf. Alors, en fait, il y a plusieurs trucs comme ça dedans. C'est emballé individuellement. Et en fait, c'est très compliqué de te faire manger. À part que tu penches ton cul. Il faut que... Ah, la vache, merde, par contre, ça en fout partout. Comment je vais faire? Attends. Mais go, passe le balai. Attends, je vais prendre un mouchoir. Attends, je prends le paquet de mouchoirs. Alors en fait, il va falloir que tu recules ta bouche de manière oblique, de cette manière. Voilà, bouge pas. Non, vraiment, bouge pas. Mais comment on sort ça? C'est insortable. Mais pousse. Et je pousse. Oh la vache. Je pousse comme un gueux. Je sais pas si j'ai envie de le manger. Ça sort, mais d'une manière mais extrêmement dégueulasse. Je vais pas mettre ça dans mes mains quand même. Tiens, t'es dans. Voilà. Vas-y, attends, ça fait des fils. Vas-y, encore. Oh. Ah, mais pas tes doigts, c'est dégueulasse. Non. Ah. C'est bon au moins? Bah, c'est pas. C'est pas dégueu, mais c'est juste que... Ah, tu peux ouvrir les yeux. Regarde ça. Ok. Putain. Ah, j'ai l'impression de manger du... Najdati. Ça a un goût de sucette liquide, en fait. Ouais. Ou je sais pas. Si, c'est ça, un peu de sucette liquide, c'est pas mauvais, hein. Ça va les doigts ou tu veux te laver? Non, non, c'est bon, ça va. C'est bon, ça va. Oh, ça à moi. Tu me le donnes? T'es obligé de me le donner. C'est cute, hein. Mais comment tu vas pouvoir négocier quelque chose comme ça? Oh, c'est mignon. Oh, en plus, c'est Pokémon XY. Oh. Je vais me broder sur un t-shirt. Super, Pika. Oh, il y a encore ça. J'en sors deux. Ah, les couilles. Ouais, les non. Bites. Oui, voilà. Ah non, mais c'est marrant, les on bites. On tout le temps ça. Mais bon, attends, j'ai sorti deux paquets, donc je... Bon, pff, non, je veux goûter qu'une bite. Ouais, au niveau de l'odeur. Oh, la vache, la gueule que t'as. Tiens. Ah. C'est bon, quoi? Attends, bah, là, je me suis violé. Ensuite, je goûte. Ça n'a pas de goût. Ça a aussi c'est le truc au maïs encore, comme d'habitude. Ouais. Teriyaki, mais fast food. Hamburger. On goûte tous les deux, ouais. Du coup. Ouais. Ça, c'est super bon. Mon frère, c'est trop bon, ça. La sauce teriyaki, c'est bon. Ouais, c'est vachement bon. Putain, je m'en mange. C'est caramélisé. Tu mets tout dedans. Ouais, tu prends du truc. Tu mets... Ah, ça a l'air cool, ça. Bizarre, la couleur.
consistance. Il y a du poisson là-dedans. Ah c'est quoi, c'est dégueu. C'est ton fameux truc séché là. Non, je te dis pas ce que c'est. Tu vas deviner ce que c'est. Ah, oh, c'est dégueulasse. T'en veux un autre pour goûter? Non. Et c'est recouvert de sucre, c'est ça qui est étonnant. Ce qui fait que ça passe vachement mieux que d'habitude. Ah non, c'est pas bon. C'est du calamar séché, mais il est recouvert de sucre. Oh, oh. Vas-y, toi, tu tombes sur ça. Ah, ça sent pas très bon. Ah si. En plus, oh, c'est trop cute. C'est pas mal. Ah, c'est bon. Bon, c'est pas dur l'ingrédient là, tu le trouves direct. La pomme. Non, carrément trop pas. Ichigo. C'est quoi? Bah, de la fraise. Oh, Ichi. Comment tu savais ça? Ichigo. Tu connais... Mais tu connais rien du Japon, toi. Bah, si, mais pas de la bouffe. Tu connais que la bouffe. Mais les hentai. Oh, la salope. Regarde quoi. Ça va déboîter en vrai. Ça va déboîter, j'en aime que la moitié parce que. Pourquoi? Putain, j'en veux. Bah, parce que j'en veux. J'ai un cul de 4. Ouais. J'ai un cul de 4 d'Halloween. Par contre, le goût, je reconnais pas. Moi, je dirais marron. Marron châtaigne, tu veux dire? Ouais. Moi, il y a moyen. En tout cas, Halloween, donc je me suis dit, ça va être à la citrouille. Ça serait trop cool. Ça a l'air d'être la citrouille. Ouais. Mais moi, je dis châtaigne. Ça me fait penser au châtaigne un peu. Oui, la crème de marron, tu vois. Moi, je dis. Oui, toi. Manger. Oh, c'est trop cute. Manger, Japon, manger. Au niveau de l'odeur, déjà. Ah, bondou. Sans. Ça sent chococo. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est bon. Oh, c'est vraiment bon. Donc, c'est un biscuit fourré au chocolat. Voilà. Oh, un petit panda. Oh, trop beau. C'est mignon. Halloween. C'est pas un panda, c'est un koala. Un koala, mignon. Ça c'est un autre Kit Kat, mais du coup je le laisse de côté. Waouh, ça c'est cool. C'est un truc d'un truc qu'on aime bien tous les deux, au niveau de... Pokémon, attrapez les, c'est ma préhistoire. Ouais. Rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Attrapez les tous, c'est trop beau. En fait, c'est ça. Attrapez les tous, donc on aime bien ça en Pokémon. France. T'as une chewing-gum. Sans quoi? Coca. Ouais, c'est tu ça? Peux ouvrir. Eh, ils sont là bon. Je trouve super bon. Parce qu'il y a un méga la Kazama. Méga la Kazama. Y'a même pas Pikachu. Ah, si, là. Non, si, là. Avec le Nutra Libre. Oh, méga ectoplasma. Mais c'est pas un chewing-gum. L'univers Pokémon est à l'honneur dans cette Fuji Box. Voici des bonbons Pokémon au goût soda qui peuvent ressembler à des chewing-gums, mais ce sont bien des bonbons. Koala no Machi, une déclinaison spéciale d'Halloween des Koala no Machi, des petits biscuits fourrés au chocolat au lait qui sont particulièrement populaires au Japon. Bah, ils ont raison parce que c'est trop bon. Le Cup Ramen Pokémon, et bah, il pouvait avoir cette gueule là. Oh non, sérieux? Pikachu tout seul. Kit Kat Citrouille, ah bah c'était la citrouille, hein. Tyran Abba Lemon. C'est ce truc là. Je suis pas très belle. Bah t'es magnifique. En même temps t'es ma soeur, je peux pas te trouver belle. Je trouve juste En fait ces snacks en forme d'anneau sont épicés. Prudence, pour le goût c'est tomate et fromage. Tomate et fromage. Mais pourquoi il y a un citron? Je comprends rien. Umai Shitori. Vous connaissez les Umaibo? Eh bien ce sont des rondelles de Umaibo sucrées, chocolatées et ornées à la fraise. Putain. Les Umaibo c'est ça, c'est le truc traditionnel. Ikatara. Ce truc magnifique au poulpe. Non. Pour les aventuriers, voici une pâte de poisson tranchée saveur calamar. Il y a vraiment que les Japonais pour penser à ça. Le fameux Lifeguard. Ouais. Pass Candy. Une nouvelle découverte, voici des bonbons un peu liquides au goût de la boisson Lifeguard. Ah, c'est une boisson. D'accord, mais on ne connaît pas la boisson Lifeguard, on s'en fout. Cheetos Halloween. Édition spéciale des Cheetos Bag of Bones. Sac d'os au yaourt. Au yaourt. Mais c'est tellement pas le goût du yaourt, c'est du nectar. D'où t'as un yaourt qui a ce goût-là? Non. Chips goût yakiniku. Yakatapi. Yakiniku. Chips en forme de cœur au goût yakiniku. Viande grillée au charbon de bois. Ah, ça a vraiment le goût d'âme. Ouais. Ah, ils sont barrés. Et après, il y a les deux Umaibo, teriyaki burger. Donc c'est vraiment très bon. Et l'autre, par contre, on n'a pas compris. Goût fromage. Bon, bah, pas mal. Ouais, franchement, pas mal. Par contre, le petit truc, c'est con, c'est qu'il y a juste vraiment pour moi deux trucs qui font penser à Halloween, quoi. Ah, bah, les Kit Kat. Ah, les Kit Kat, si, la citrouille. Ouais, ça là. C'est bon, ça. Ça, la fraise, super bon. Franchement, ouais. Ça, même si c'est hyper épicé, j'avais déjà eu, mais je trouve ça super bon. Mais les petits gâteaux aussi, quoi, là. Ah, les petits gâteaux, quoi, là, ils sont top. Ultimes. Les machins comme ça, là, c'est hyper intéressant aussi, quand même, quoi. Enfin, faut vraiment les avoir en main. Du coup, qu'est-ce que t'as préféré dans tout ça? Ah, c'est ça. Ça. Ah oui, de loin. Franchement, c'est super bon. Kit Kat, la citrouille. Même si je trouve pas que j'ai un goût de citrouille. Non. Super bon. Est-ce que t'as détesté? Ce que j'ai détesté? Ouais. Ah, j'hésite quand même. Je préfère vraiment bouffer du calmar que de me. Ouais, c'est vraiment pas ça. Bon. C'est ça, au pire, ça va, ça fait poisson. Bah, ça fait. Bouffe, voilà. Là, ouais. Ça fait médicament. Ça te rappelle quand t'es malade, horrible. Quand tu chies et tout. Merci, Nono.
nous avoir regardé. Comme chaque semaine, on vous déteste tous autant, alors ne nous suivez pas. Mettez plein de pouces vers le bas de la couleur que vous voulez, on s'en fout. Translucide, extra lucide, on vous emmerde et on rentre à notre maison.